toi tu es le soleil, Dieu, tu es le Dieu de l'amour. Hein? Toi tu es dans Mugupan, Muguli. Donc toi tu es Eros, tu viens, on doit t'obéir, on doit t'attendre, le monde doit s'arrêter et puis tu vas parler. Blaise Boudet, lui, il est à La Haye, il est en Belgique. Depuis qu'il a été libéré, il ne fait que parler. Il ne fait que parler. Mais toi, tu n'as pas le temps de parler, de nous parler. Mais toi, tu as le temps de parler aux Blancs, aux chaînes étrangères, ceux qui t'ont combattu. Les Blancs qui t'ont combattu, toi, tu as le temps de leur parler. Mais toi, tu n'as pas le temps de nous parler. Et nous, on doit s'abaisser. Comme dans l'Empire du Mali, comme dans l'Empire Songhai, l'Empire Soso, là-bas il y avait les empereurs, ou bien dans l'Égypte, quand le pharaon passe là, on doit s'abaisser. C'est ça. C'est ça. Ici, je viens de montrer, je vais mettre ça sur ma page. Ministre de la Santé, il a démissionné pour une relation extra-conjugale. Voilà. Le deal que toi tu as fait avec ta femme Simone Gbagbo là, dans votre intimité, le deal que vous avez fait pour qu'elle soit deuxième femme, et puis toi, elle, Simone Gbagbo va être première femme là, ça pourrait rester dans l'ombre. Mais quand tu amènes ça sur la place publique, mais nous on comment on appelle ça? Comment je vais dire, nous? On cogite dessus. Quand ça devient public là, on cogite dessus. On débat dessus. Voilà. Parce que votre deal que vous avez fait là, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Votre deal là, ou l'autre, tu allais doter Nadi Bambala. Tout ça, c'est illégal. Voilà. Maman Simon Gbagbo, elle ne devait même pas faire ça. Tout ça, c'est illégal. C'est illégal au regard de la loi. C'est illégal. Tout ça, tout ce... Non, c'est Simon Gbagbo même qui a donné l'autorisation d'aller doter Nadi Bambala. C'est illégal. C'est illégal. C'est immoral. Ce deal-là, c'est pas bon. Voilà. C'est pas bon. C'est pas bon. Gbagbo, il n'a pas besoin de beaucoup de femmes. Gbagbo, il a besoin d'une seule femme. Voilà. S'il veut pas, s'il voulait pas de toi là, Simon Gbagbo là, toi, il devait divorcer. On n'a pas à faire des deals. Non, on fait pas des deals comme ça. On n'a pas à faire des, tu n'as pas à faire des deals avec Gbagbo pour qu'il ait une deuxième femme. On n'est pas au village. Mais moi, je dénonce ça aussi. Voilà. Je suis simoniste, mais je dis que ça, c'est une erreur de Simone Gbagbo. De maman Simone Gbagbo. Parce que j'ai du respect pour cette femme. Avec tout le respect que je te dois, la vieille, là, tu as déconné. C'est immoral. On ne peut pas accepter ça dans une république. On n'est pas au village. Gbagbo n'est pas un planteur pour avoir une deuxième femme. Gbagbo, là, il n'est pas un planteur. Si sa libido est trop là, il peut demander divorce. Vous divorcez et il marie Nadi Bamba. C'est simple. Si ça chauffe trop là, il demande divorce. Si tu n'aimes plus ta femme là, tu divorces et puis tu maries une autre femme. On ne peut pas faire des deals pendant qu'il est marié à toi. Toi, tu le laisses aller faire doter Nadi Bamba à deux colas à tout bas. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tout le deal que vous avez fait, c'est illégal, c'est immoral. C'est pas un bon exemple à la jeunesse ivoirienne. C'est pas un bon exemple. Voilà. C'est pas bien, c'est pas joli à voir, c'est dégueulasse. Parce que Gbagbo, je le dis, Gbagbo n'est pas un chef de canton. Il n'a pas droit à deux femmes, c'est pas possible. Nous sommes en démocratie. La loi condamne ça. Dans la loi ivoirienne, il n'y a pas de maîtresse dedans. Il n'y a pas de deuxième femme de Gbagbo. Dans la constitution ivoirienne, Gbagbo n'a pas droit à deuxième femme. Ça, c'est illégal. C'est immoral. La constitution, il dit qu'il est le garant de la constitution, mais la constitution ne lui permet pas d'avoir une deuxième femme.